Nouvel épisode sur la chaîne consacré donc à Cult of the Lamb. On va attaquer donc la suite de l'histoire. On avait donc nos petits adeptes là qu'on avait récupérés. Ah, il va falloir que je nettoie leurs excréments. Oups. Alors, là-bas, ils sont en train de récupérer des pierres. Ça, du bois. Alors, on va continuer l'exploration là, des niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Repousse et blesse les ennemis à portée. Pas mal. Et on va prendre donc la hache. Et ici, la hache avec l'œil dessus. C'est pas mal. Ok. Ah, il m'a touché. Oh, tu vas y arriver ? Merci. Ok, parfait. Alors, on va passer par là. Ah, les tarots. Ok, alors. Un cœur en plus double les soins reçus. On va prendre un cœur en plus. Pour l'instant, il n'y a pas non plus besoin de... Parfait. Alors. Oh, c'était rapide, lui, hein. Alors, on va passer par là, on va voir un peu ce qu'il y a de beau. Oula, il se met à chanter. Les vagues de la mer ont emporté mon amour, oui, elles ont emporté mon cœur. C'est là que mon cœur restera, car elle s'est endormie au fond des mers. Bienvenue, camarade, prends quelques instants pour écouter mon histoire. Je suis à la recherche du cœur qui battait autrefois dans ma poitrine jusqu'à ce qu'elle me le vole. Je suis ici assis depuis des années que je n'ai oublié son visage et pourtant je cherche toujours, je n'arrêterai jamais. J'ai une douzaine de cœurs, vois-tu, mais aucun qui ne m'appartient réellement. Si tu les veux, je te les offrirai. Ils sont sans valeur pour moi, je ne m'intéresse qu'au cœur qui fut jadis le mien, ainsi je pourrai contempler son visage une dernière fois. Nos corps, Vimax. Ok. Alors ça doit être combat, je pense. Allez, clac, on récupère la dévotion. Parfait. Ah, cool. Ramasser. C'est quoi, c'est au pif. Ok, un cœur supplémentaire. Ah non, je peux vraiment tout les récupérer. C'est cool, ça. Révèle la carte. Permet de gagner deux fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Ah ben, on a bien fait d'aller là, t'es. La sortie semble être par là-bas. Ah, je me suis fait toucher à la fin. Attends, on va juste aller voir ce qu'il y a au niveau de l'épée, là, sachant que je sais pas trop ce que c'est. Ah, cool, je peux vraiment changer d'arme et tout, quoi. Ah, cool.
Allez, on a récupéré donc bougie sur pierre. Décoration, bah c'est bien ça. J'ai l'impression des fois de jouer un peu à... au truc, là, le truc de l'île là, avec les ratons, les machines et tout ça là, sur la Switch. Là. Alors, on voit la dévotion, toujours pareil. Ok. Ah, prendre ça, ça c'est bien ça. Ah. Oh. Ah, te faire toucher. Et je me suis fait ruiner là. Ah, j'ai récupéré un peu de vie quand même, pas mal. Alors, repousse et blesse les ennemis à portée. Allez, le boss. Il est là, vers le phare. Aïe, merde. Ah, oh, je vais me jeter sur lui. Le discipliné. Allez, go. Ah,
con, je fais. Avec la prison. Comment on fait pour créer la prison? Bon, comment je fais pour le... prison. Mais c'est ici, c'est un truc de machin. Comment je fais pour si je veux le tuer, imaginons. Qu'est-ce que je peux faire pour le tuer? Peut-être là-dedans, y'a un truc là? Non. Oh.
Alors, plat d'herbe. Bon, je sais pas du tout comment tuer l'autre niaï là. Peut-être tenter un truc comme ça, rituel. Augmentez de la fidélité de vos adeptes pour qu'ils gagnent des niveaux et vous offrent de la dévotion et un fragment de pierre de commandement. Lorsqu'un adepte gagne des niveaux, il génère de plus de dévotion en entendant un serment ou en priant. Interagissez avec vos adeptes, accordez-leur une bénédiction à chaque jour pour accroître leur fidélité. Vous pouvez également leur offrir des cadeaux, accomplir des quêtes, prononcer des serments et bien plus encore. La cabane solitaire. Ok. Bon, on va essayer d'avancer un peu parce que là sinon on va passer 2 heures. Allez, on a rendez-vous du coup à la cabane solitaire. On va aller voir Rato.
Oh, je l'ose aussi. Ok. Alors, oula, les osselets avec des dés, je connais pas, hein, mais associer les dés. Lorsque les dés portant le même numéro sont placés sur la même ligne, leur valeur est multipliée. Détruisez les dés de votre adversaire en plaçant un dé identique en face des siens. Compris, ok. Alors, il commence. Ah, j'ai que les scores là, non. Bon, le 45 fait mal. Ah, je me suis fait ruiner, mais j'ai pas eu de chance aussi. Que des dés à la noix. Des 1, des 2, des 3, lui, choper des 5 à gogo. Allez, 4. Ok. Alors là, ça devient intéressant. Ah, j'ai gagné. Ah, cool. Ah, j'ai gagné une don quand même. Ça, c'est bien. Octroie un cœur supplémentaire. Pas mal. Pas sans plein, hein. Ah, il y en a quelques-unes un peu de cartes de tarot, c'est bien ça. Grand cadeau, un cadeau permettant d'augmenter la fidélité d'un adepte. Ok. Ah. Ok, parfait. De toute façon, j'en avais besoin. Allez, on retourne à la Terre Sainte. Qu'est-ce qu'il a qui me fait des poupées partout, lui? Ah, toi, tu es quelqu'un de bien, toi, viens là. Je peux pas te faire un cadeau?
Voilà, toi tu peux que ne bien, j'aime bien. Ah, tu me dis que tu m'aimes bien, tu mérites un beau cadeau. On y est presque, hein? Alors, allez, parfait, on va faire un peu à bouffer. Hey. Ah merde, deux, je suis trop vite. Hein. Voilà, allez, manger. 55. Ah merde, j'ai pas assez de bois. Parfait. Donc, à punâtre. C'est qui déjà punâtre? Ah, ben, tu es content, non? Tu dois l'avoir ton plat à base d'herbe. Ah, accepter le cadeau de punâtre. Oh! Beau! Allez, on va récupérer un peu de bois. Parfait. J'ai l'impression de passer plus de temps à nettoyer ma terre de culte, les machines comme ça ou quoi et tout, que d'essayer de ruiner des monstres dans ce jeu. Alors, voilà, ben parfait. Eh ben, il était temps. Allez, on va construire. Oh non. Non. Je suis obligé de faire ça déjà? Oh. Ah, culte amélioré. Alors, on essaie de faire passer le temps un peu plus rapidement. Alors, comment on construit déjà? Là. Ah, on va y mettre un petit camp à lui à côté aussi. On va pas non plus le laisser. Voilà. Et là, le pauvre, il dort à la belle étoile. C'est pas cool quand même.
sympa lui, un plat à base d'excréments. Alors, accepter le cadeau de Punâtre. Non, c'est pas lui. Oh! On est presque avec lui, hein? Ah! Oui! Voilà, parfait. Alors, on va faire en sorte qu'il prie. On va essayer de récupérer voilà, le maximum de trucs pour pouvoir déverrouiller la prison. Et l'autre, il va aller au cachot pour que je puisse continuer à avancer parce que pour l'instant, je ne sais pas comment tuer qui que ce soit. Hein. Ah, première mort. D'accord, il est mort tout seul du coup? D'accord, genre le mec est mort tout seul. Ça fait 2 heures, j'essayais de savoir comment je fais genre pour le mettre au cachot et compagnie. Et le mec, en gros, genre, il meurt tout seul. D'accord, bon, ben du coup, c'est bien, on peut continuer à avancer ou... Oh là là, laborieux. Allez, parfait. Bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout là cette fois, parce que je commence à me complaire de mourir deux fois. Parfait. Aïe. Allez, parfait. Alors, le plus rapide. Ah, qu'est-ce que c'est, sa terre? Qu'est-ce qu'on a de beau, la terre? Ah, un sort de marchand. Ok. La fontaine de la couronne. Ah cool. Pas mal ça. D'accord. Et on peut directement aller au boss. À
Alors, vous avez obtenu collier de plumes. Imprégné du pouvoir d'un oiseau permet à l'aide de se déplacer plus rapidement. D'accord. Et en plus de ça, on récupère donc un cœur. Parfait. Alors, 50% de ferveur en moins pour l'utilisation d'un maléfice. Pas mal. Allez, on va aller au boss directement. Allez, notre ami Valfar là. Ah, c'est bien, ça y prend des dégâts. Continue. Ah, ils sont 4 fois maintenant. Aïe. Voilà. Enfin. Allez, viens là. Il mourut en tout cas. Et on récupère du coup du bois. Parfait. Ah, ça c'est bien ça, voilà. Allez. Parfait. Et on peut donc quitter la zone. Retour à la base. Ne commets pas l'erreur de devenir l'esclave de tes adeptes, c'est toi qu'ils doivent servir, manipuler comme bon te semble. Tu pourras regagner plus tard leur confiance en finir la bienveillance. Nourris-toi de leur crédulité, autorise-toi à commettre les actes impardonnables soumêlés à ta volonté. Je t'accorde le pouvoir de lire leurs pensées futiles et insignifiantes. Ah, c'est bien ça. Adopter la doctrine. Ok, d'accord. Le culte de Pipou. Allez, parfait. Donc là, on va construire la prison. Ça servira toujours pour... au cas où. Parce que tout à l'heure, on a donné. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la prison? Ah, c'est ça, la prison? Ah ben, parfait. Bien fait d'acheter... J'ai bien fait de récupérer du bois, au moins j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et je suis venu m'aider à la place de regarder, non? Voilà, on a construit la maison, la prison. Alors, interagir.
Je veux que t'ailles bénir, on s'en fout. Toi, t'offrir un petit cadeau. Ah merde. Ah si, j'ai un cadeau, t'es. Ah, il est content, voilà, il a aussi un cadeau. Par contre, ce que je veux qu'il y en a qui aillent un peu travailler un peu. Le bois et compagnie, ça m'arrange un peu. Allez, va travailler, toi, tu vas aller travailler la pierre. Parfait. Toi, on va t'enrouler. Pas la, la couleur si. Allez, parfait. Alors, et toi, tu vas aller. Tu vas aller abattre du bois, t'es. Ça va te faire un peu les pieds un peu. Alors, construisez un sac à couchage. Ok. Donc, sac de couchage. Il me faut 5 bois. Allez, je vais t'aider, au moins on va y aller plus vite. Parfait. Allez, 5 bois. Là, on va déjà réparer celui-là. Parfait. Et là. Ah merde, j'en ai utilisé pour reconstruire. Oh, ok, d'accord. Allez, parfait. On va nettoyer juste sans passant. Allez. Accepter le cadeau de Torbrège. Ok, donc lui il est content, parfait. Alors, prononcer un serment dans le temple. Parfait, on va pouvoir du coup débloquer. De nouveaux pouvoirs. Alors, nickel. Ah, j'ai pas pu voir du coup. 1, 2. Alors, j'ai quoi au niveau des pouvoirs? Non, c'est pas ça. Rituel. Non, on peut pas voir. Bon, bref, c'est pas grave. On verra ça une prochaine fois. Allez, parfait. Tac, tac, tac. Pour l'instant, on est bon. Accomplissez un rituel dans votre temple. Fabriquez des décorations. Alors, décorations. Ah, ça, j'avais dit que j'allais faire ça. C'est pas mal, ça. Ça va mettre une petite fontaine. On va la mettre là. Ça c'est cool, et on va en mettre une là. Ah, ça c'est bien ça. Ok. Non. Plus. Alors, interagissez avec un adepte et accomplissez un rituel. Alors, interagir et un rituel. D'accord. Et il faut que j'accomplisse après donc un rituel dans notre temple. Alors je crois que je l'ai déjà fait ça tout à l'heure, donc du coup c'est en train de se recharger. Ah, donc c'est en train de se recharger, recharge en cours.
Donc il me faudra 10 bois et 25 ossements. Ok, parfait. Allez, parfait. Voilà, ben, du coup, ça sera tout donc pour cette vidéo. Voilà. Bon, je ferai peut-être un peu des cuts un peu au début de la vidéo là pour par rapport au fait de chercher comment tuer le personnage ou quoi et tout. Ça, j'ai toujours pas trouvé comment faire. Du coup, au bout d'un moment, il est mort par lui-même. Alors, je sais pas si c'est une question de temps ou pas, donc je sais pas. Peut-être, je suppose. Et voilà, ben, du coup, on a pu quand même continuer l'aventure. On a réussi donc à vaincre le niveau qui nous bloquait là. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures donc sur Cult of the Lamb. Bye bye.